Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est pour moi un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Harmonie. À cette émission, il sera question de paix, de bonheur, d'éducation, particulièrement d'éducation à la paix avec nos invités. Dans un premier temps, nous aurons avec nous Martine Libertineau, philosophe, écrivain et conceptrice de programmes d'éducation à la paix, qui sera rejoint en cours d'émission par Roselyne Benjamin, psychologue haïtienne et vice-présidente de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti. Je vous promets, ce sera une émission très intéressante et au cours de laquelle vous apprendrez des choses très positives, comme d'habitude, à notre émission Harmonie. Madame Libertineau, bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir aussi également de vous recevoir sur ce plateau de Harmonie. C'est un plaisir pour moi aussi. Madame Libertineau, pour nos téléspectateurs, on vous présente un peu. Vous êtes d'origine italienne, vous avez grandi en France, vous vivez en Suisse. À Genève, vous, oui, en Suisse. Exactement, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous parcourez certaines parties du monde justement pour proposer et former à votre programme d'éducation pour la paix. C'est juste, oui, tout à fait. La première question qui me vient en tête, comment en tant qu'écrivain et particulièrement en tant que philosophe, vous en êtes venu à vous intéresser à ce thème, la paix? Il me semble qu'en tant que philosophe, on devrait obligatoirement s'intéresser à la paix, puisque lorsqu'on est philosophe, on est censé s'intéresser au fonctionnement de l'être humain, au fonctionnement du monde, au fonctionnement de la société. Et surtout, si nous philosophons, nous devons quand même essayer de trouver des solutions aux problèmes et de conduire les gens à réfléchir un petit peu aussi aux difficultés d'une société et comment trouver des solutions pour que nous vivions mieux. Voilà, donc... c'était, selon ce que je comprends, on va dire un aboutissement, un cheminement normal par rapport à vos réflexions. C'est un cheminement normal par rapport à la personne que j'étais, je dirais, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas juste tout d'un coup, je me découvre philosophe, c'est vrai que mon premier métier, j'étais artiste, donc je reste toujours artiste dans l'âme. Mais dans mon travail artistique, il y avait aussi une philosophie, puisque je peignais et sur mes toiles, j'écrivais des poèmes pour la paix. Donc en fait, j'ai toujours été comme cela depuis ma plus tendre enfance, en réalité. Mais revenons peut-être un peu à ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission, le thème de la paix. Et pour la paix, vous ne réfléchissez pas seulement là-dessus, vous apportez même, on va dire, une proposition, un programme qu'on appelle éducation pour la paix au monde et aux différentes sociétés que vous rencontrez. Peut-être que je renforce un peu la question en demandant pourquoi est-ce si important pour vous ce questionnement, cette recherche, cette proposition sur la paix? C'est important parce que depuis mon enfance, je n'ai jamais accepté de voir souffrir l'être humain. Et je trouve qu'il est inacceptable justement que nous souffrions pour quelque raison que ce soit. Notre vie sur Terre doit être basée sur une recherche de plaisir, d'amour, de bonheur. La question en fait à se poser, c'est est-ce que nous pouvons parvenir au bonheur sans la paix, voyez? Oui. Donc c'est un parcours qui me paraît indispensable pour pouvoir parvenir à ce bonheur que j'estime possible pour nous, parce que nous avons tous les moyens d'être heureux, nous avons tous les moyens de vivre dans le plaisir. Mais nous devons accepter de passer par ce parcours obligatoire qui est la paix. Et la paix, c'est l'absence de conflit. Pour permettre à nos amis téléspectateurs de mieux comprendre ce que c'est que cette émission d'aujourd'hui d'éducation pour la paix, avec notre invitée Martine Libertineau, nous vous proposons ce portrait justement de la philosophe écrivain Martine Libertineau qui fréquente Haïti, qui vient chez nous, qui propose à Haïti justement ses réflexions depuis quelque temps. Qui est Martine Libertineau? Suivez ce portrait. Promouvoir la paix et l'amour un peu partout à travers le monde, telle est l'une des principales missions que se donne Martine Libertineau. Peintre, conférencière, écrivain et philosophe, cette femme de 58 ans
n'a pourtant pas été élevé dans un environnement de paix et de tranquillité. D'origine italienne, Martin Libertino est né en France le 8 février 1949. Dès son plus jeune âge, elle témoignait son intérêt pour la lecture et la danse. La première partie de sa vie, elle l'a vécue dans le Midi, où elle a fait ses études primaires et secondaires. Elle a également fréquenté les Beaux-Arts et a suivi une formation de décoratrice. Sa passion pour la lecture a déjà suscité en elle l'envie de produire. À 10 ans, Martine produit son premier texte, versifié. Cependant, à sa décision de devenir écrivain, ses parents s'opposaient ouvertement. Le peu d'amour reçu de sa famille n'a pas pu enlever en elle le désir d'exprimer de l'amour envers les autres, et surtout envers les plus faibles. À 19 ans, Martine quitte sa famille pour aller s'installer à Genève. Tout en exerçant son métier de décoratrice, elle a pu concrétiser sa vocation de peintre 2 ans plus tard. De 1986 à 1988, Martine s'est consacrée à rédiger ce qu'elle comprend de l'âme humaine et des diverses personnalités qu'elle découvre et classe en 9 individualités spécifiques. De là, elle commence à jeter les bases de sa philosophie. Son travail sur les problèmes émotionnels de l'individu lui a attiré beaucoup de gens et l'a forcé à mettre de côté la peinture pendant un certain temps. 1991, Martine fait sa première publication sous le titre « La voie spirituelle, réflexion et enseignement ». Ce premier ouvrage sera suivi de recueils de prières et de méditations qu'elle sort à la même année. 2 ans plus tard, elle a offert à ses lecteurs le jardin initiatique « Voie de sagesse ». C'est au cours de cette année qu'elle a commencé à partager ses connaissances sous forme de conférences et séminaires en philosophie, sur la santé, sur le racisme et autres. Ce désir très poussé qu'elle cultivait depuis son enfance l'a amenée à rédiger plusieurs autres ouvrages, dont « La Yougoslavie sacrifiée », ce texte qui expose sa vision de paix pour le monde. Loin de toute ligne politique et religieuse, l'association Duchamp Libertino, créée par la philosophe, est, pour elle, un moyen d'encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde. Martine devient de plus en plus sollicitée. Quelques années après, elle a laissé Genève pour s'établir à Neuchâtel. Avec son association, elle partage ses points de vue par divers moyens, comme les lettres ouvertes, les courriels, les entretiens, etc. Entre la peinture, l'écriture et les nombreuses demandes, la conférencière se trouve enfermée dans un cercle où tous les éléments l'attirent. Sa volonté manifeste d'aider l'humanité prend chair. Et son penchant pour l'éducation l'a poussé à lancer une pétition pour encourager à introduire des cours d'éveil philosophique dans les écoles primaires et secondaires. De retour à Genève, la peintre prépare une exposition avec 150 toiles qu'elle a peintes en 2 ans. De plus en plus, la médiatrice pour la paix gagne du terrain avec sa philosophie et a créé sa propre école d'éveil philosophique pour enfants et adolescents. Le travail et la vision de Martine ont parcouru le monde. Depuis 2011, la médiatrice œuvre en Haïti et partage son savoir philosophique dans les communautés en quête de paix et d'amour. Pour elle, l'amour est la voie incontournable si l'on veut accéder à la paix au sein de son environnement. Car selon Martine, c'est indispensable de s'aimer et d'apprendre à aimer les autres. Eh bien, amis téléspectateurs, on l'a compris à travers ce portrait, notre invitée est loin de rester indifférente à tout ce malaise, tous ces conflits qu'il y a dans le monde. L'éducation pour la paix, en gros, qu'est-ce que serait, s'il faudrait l'expliquer? Bon, l'éducation pour la paix, bien sûr, ce sont des valeurs de base, mais il faudrait peut-être aussi expliquer pourquoi nous en sommes là dans notre société. Bien sûr. Parce que tout le monde s'insurge contre ce que nous vivons, la violence, les guerres, etc. Mais pour moi, c'est une évidence, vous voyez. C'est que il y a une relation de cause et effet entre le non-vouloir de l'être humain à comprendre de quoi il a besoin
et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas outre mesure choquée, si vous voulez, par la situation de nos sociétés, parce que pour moi, c'est une évidence. Bien, maintenant... Non, on va peut-être rester un peu sur ce que vous venez de dire avant d'en arriver au principe. Merci justement de remettre en contexte le non-vouloir de l'être humain par rapport à ce qu'il peut. Et expliquez-nous, donc l'être humain, selon vous, ne veut pas comprendre ou ne peut pas comprendre qui il est. on y arrive. Alors, déjà, il faut partir du principe que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas. Pour moi, dans ma philosophie, nous ne voulons pas. Pourquoi ? Parce que l'être humain a libre arbitre, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, depuis que la Terre existe, c'est ainsi. À partir du moment où nous avons un pouvoir, nous avons un libre arbitre, cela veut dire que nous choisissons notre attitude, nous choisissons notre chemin, nous choisissons ce que nous voulons vivre dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, etc. Bon. Partant de là, dès l'enfance, nous avons ce libre arbitre, nous avons ce choix de construire notre vie ou de détruire notre vie. Voilà. Évidemment que tout cela va être passé au prisme de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Parce que la difficulté de l'homme, c'est vrai qu'il y a un refus inconscient de ne pas être heureux, parce que la principale difficulté de l'être humain, c'est de ne pas s'aimer. Oui. En fait, il est son principal ennemi. Voilà. Au lieu d'être son médecin, il est son principal ennemi. Bon, c'est tout un parcours pour en arriver là, je suppose. Mais pourquoi justement est-il son ennemi? Parce que d'une part, c'est vrai qu'il a en lui des peurs, des culpabilités, des doutes, des colères. Mais en même temps, dès sa naissance, il ne sait pas qui il est. Et tout au fur et à mesure qu'il va évoluer dans la vie, il va se développer dans une société où on met en avant la technologie, où on met en avant la science, où on met en avant le matériel, mais on ne met pas en avant le spirituel. Et quand je parle de spirituel, évidemment, je ne parle pas de religion. Le spirituel qui est, je découvre qui je suis, quelles sont mes capacités, quelle est ma capacité d'amour, quelle est ma capacité... Est-ce que j'ai besoin d'un idéal, par exemple? Ça, c'est une grande question qu'on devrait se poser. Très bien, voilà, très bien. Parce que en fait, la plupart des êtres humains s'imaginent que l'idéal, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est fait pour des gens extraordinaires. Alors qu'en fait, la plupart des êtres humains meurent parce qu'ils n'ont pas la conscience qu'ils ont un idéal et qu'à cause de cet idéal, ils sont frustrés d'un idéal qu'ils ne veulent pas percevoir ou qu'ils ne cherchent pas à percevoir. Donc nous sommes frustrés, nous sommes malheureux, nous n'aimons pas notre vie et évidemment nous avons un sentiment d'injustice et nous arrivons à la violence, donc au contraire de la paix. Tout à fait, la violence par rapport au contraire de cette paix. Tout à fait. Que nous devrions tous rechercher, que nous devrions tous construire. Donc la paix est possible selon vous, et indispensable. Et indispensable. On a compris en nous expliquant qu'en réalité, ce qui a été construit dès l'enfance peut être déconstruit et on peut construire autre chose. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et en travaillant. Et cette construction-là, si je comprends bien, elle peut passer par ces principes, une éducation qui nous amène à la paix, qui nous appelle au bonheur. Mais nous ne pouvons pas faire autrement, puisque en fait, tout est éducation. Oui. Chez l'être humain, tout est programmation. Même notre société, ce qu'on appelle des conventions dans notre société, ce sont des programmations. Et une programmation, c'est une habitude de fonctionner. Ce qui veut dire que nous venons au monde, l'enfant vient au monde avec des habitudes de fonctionner, bonnes ou mauvaises, évidemment. Il y a de très bonnes qui vont lui permettre de se développer, d'être aimé ou pas aimé, de s'aimer, de réussir plus tard. Et il va avoir en lui, effectivement, d'autres programmations, d'autres habitudes de fonctionner qu'il a en lui, mais dont il n'a pas conscience et qui vont le conduire justement à faire de mauvais choix ou à se faire du mal. Et le fonctionnement de l'être humain fait que ces habitudes de fonctionnement que nous avons au fond de nous, à choisir, mais bien sûr qu'elles sont au fond de nous et nous devons choisir, et elles vont passer par des instruments que nous connaissons tous, qui sont la parole, la pensée, l'imagination. Oui. C'est-à-dire que quand on s'écoute parler, on sait très bien si on est positif ou non, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. On peut mais imaginer qu'est-ce qui nous amène à faire ces choix? À faire ces choix détrimentaux, à faire ces choix contre-productifs pour nous, pour la paix, pour le bonheur. Qu'est-ce qui nous amène en tant qu'être humain? Parce que moi, j'aurais pensé que l'être humain, naturellement, sa pulsion, c'est d'aller vers l'avant, d'aller vers le progrès, d'aller vers ce qui est bien pour lui. Il a les deux pulsions. Il a les deux possibilités. Mais on a l'impression que c'est l'autre là qui a le plus souvent
on va le dire, le dernier mot sur les pulsions qui nous amènent vers le progrès. Oui, mais c'est là où intervient l'éducation, comprenez ? C'est là où l'éducation devient indispensable, c'est que, moi je pars du principe que l'homme en lui, la plupart des êtres humains sur la Terre, la majorité des êtres humains sont bons. Il faut arrêter de dire que l'homme est méchant, ce n'est pas vrai tout ça. Voilà. Mais l'homme a en lui des facultés de se détruire, de se faire du mal, parce qu'il a également un subconscient qui fonctionne à l'intérieur de lui, auquel il obéit, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, hein, par méconnaissance, par habitude, par facilité aussi. Facilité évidemment à court terme, parce qu'à long terme, évidemment, ça va pas lui faire du bien. Et en fait, cette habitude de fonctionner, de toujours passer au prisme de ce que j'appelle le subconscient, qui sont nos programmations émotionnelles, cette espèce d'habitude de fonctionner de cette manière-là, fait que finalement nous ne connaissons rien d'autre parce que nous sommes habitués. Hein. Si je suis habitué à vivre dans un endroit, quand je rentre tous les jours chez moi, je ne vais pas réfléchir à la route que je vais prendre, je vais y aller comme ça, comme le cheval qui rentre à l'écurie, vous voyez, je ne réfléchis pas. Ben, en fait, c'est cette habitude qu'a l'être humain de toujours écouter plutôt ce que son subconscient lui dit, en lui disant « mais tu n'es pas beau, tu ne t'aimes pas, tu n'es pas capable d'eux, je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur, de toute façon tout ce que je vais faire, je vais le rater, voilà ». Et cette habitude de fonctionner est tellement forte à l'intérieur de l'être humain parce que inconsciemment il le choisit, puisque c'est une habitude de fonctionner, c'est normal. En fait, c'est la force de l'habitude, vous voyez, c'est pas la force du choix, c'est la force de l'habitude. Voilà. Mais et cette habitude, permettez-moi de vous demander, elle s'installe comment ? Nous l'avons à la naissance. Ah ouais. Voilà. Bon, là, je me mets à la position, à la place des parents qui nous écoutent, qui entendent parler d'éducation pour la paix, qui entendent parler de principes, d'habitudes, et qui ne veulent que le bien finalement pour leur enfant, et qui se disent, bon là voilà, moi je ne voudrais pas créer et des habitudes qui à la longue vont être détrimentales pour ma progéniture, ce n'est pas du tout ce que je veux. Est-ce qu'ils ont une part de, on va pas dire de responsabilité dans cette éducation également qui devra amener vers un être autonome, libre, heureux, et qu'est-ce qui devrait être fait consciemment pour en arriver là? Travailler tous ensemble. Alors, bon, on est tous responsables en fait. C'est que l'enfant qui vient au monde est responsable de ce qu'il est. Il ne faut pas s'imaginer qu'un enfant vient au monde et est idiot ou pur comme neige. Voilà, il a en lui des qualités qui sont déjà développées, qui sont peut-être très très bien développées. Et il a en lui ces fameuses difficultés dont je parle, qui sont les programmations émotionnelles. Donc essayons de nous imaginer cette espèce de configuration comme ça d'un être qui naît dans un corps d'enfant, évidemment, parce qu'on s'imagine toujours qu'un enfant c'est idiot, il ne comprend pas ce qu'on lui raconte, alors qu'en fait, c'est comme si on pouvait s'imaginer une âme d'adulte avec une pensée, avec une connaissance, avec des a priori, ou avec une liberté de penser. Bon, donc cet enfant arrive au monde dans une famille. Dans cette famille, il a en face de lui des adultes qui ont finalement les mêmes facultés que lui, en ayant évidemment vécu sur Terre un peu plus élaboré, un peu plus grand. Et ce qui est intéressant de voir, et ça c'est ce que je découvre, c'est ce que j'ai découvert aussi dans mes recherches, ça fait 40 ans, n'est-ce pas, que j'enseigne, et 40 ans que je vois des familles, que je vois le monde, la société. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 40 ans, j'ai vu défiler chez moi 4 générations. Donc on voit ce qui se passe chez les grands-parents, chez les parents, chez les enfants, chez les petits-enfants, et c'est très intéressant, parce qu'on va découvrir qu'un enfant qui vient au monde va avoir des paramètres qualitatifs et des paramètres émotionnels qui ressemblent aux paramètres émotionnels du père, de la mère, du frère, de la sœur, du cousin, de la cousine, des grands-parents, etc. Voilà. Bon, vous voyez, donc cette espèce de puzzle qui se met en place, en réalité, nous sommes tous des références les uns en face des autres. Et c'est pas seulement les parents qui sont des références, parce qu'on dit toujours « Ah, c'est mon éducation, c'est mes parents ». Mais les parents ont aussi des références, c'est-à-dire que, bon, je vous donne juste un exemple. Supposons que des parents ont eu une enfance où on a abusé de l'autorité à leur égard et qui ont peur des rapports de force parce qu'ils ont peur d'être abusés, ils ont peur de la violence, ces parents peuvent mettre au monde un enfant avec une immense personnalité qui, à travers le fait que ce soit un petit enfant qui a l'air doux et magnifique, c'est un enfant qui peut avoir une telle force que cette force va faire peur aux parents ou va être repoussée par les parents qui n'arrivent pas à maîtriser en fait leur peur parce qu'il va réveiller en eux
la peur de ce qu'il a vécu lui dans son enfance. Ce qui veut dire que nous sommes tous des références les uns en face des autres. Bon, alors à ce titre-là, oui. L'enfant est responsable de ce qu'il est à sa naissance, et les parents sont responsables de ce qu'ils sont également. Maintenant, il est vrai que l'enfant va être responsable du libre arbitre qu'il possède pour accepter ou non ce qu'on lui propose, ce que ses parents lui font subir ou lui offrent à partir de leur éducation. Très bien. Bon, par contre, les parents aussi ont une autre responsabilité, celle de donner l'exemple à leurs enfants, d'avoir compris ce que c'était un être humain, d'avoir compris qu'on pouvait dépasser ses limites, qu'on pouvait dépasser ses difficultés et qu'on pouvait s'épanouir dans la vie, même si par ailleurs nous avons des difficultés émotionnelles, parce que le but de vivre ensemble, encore une fois je le dis, c'est d'être vivre dans la paix et d'être heureux. Donc l'exemple, les parents, si les parents acceptent cette éducation pour la paix, ces parents deviennent des guides, deviennent un exemple pour les parents et pour les enfants. Et c'est à ce titre-là que les parents ont une responsabilité. Mais ils ne sont pas responsables non plus de ce que l'enfant va faire de son éducation. Tout moment, il peut la remettre en question, il est libre. Donc, si je comprends bien, l'éducation elle-même, elle doit se faire également à plusieurs niveaux. Au niveau à la fois des parents, des adultes, quelque part, pour leur permettre de prendre conscience de leur rôle, de leur mission, en tant que parents, déjà en tant que guides et dans une société. Mais je suppose aussi pour les jeunes, et je ne sais pas selon vous si ça doit commencer très tôt. Très jeune. Très jeune. Cette éducation à la paix doit aussi commencer très, très jeune. Mais quand je parle de responsabilité, attention, je ne parle pas de culpabilité. Donc, j'ai la responsabilité parce que je suis libre de faire un choix. Oui. Bon, nous connaissons tous les enfants. Dans une famille, on voit très bien que lorsqu'on dit à un enfant « je souhaiterais que tu fasses cela », l'enfant peut très bien dire oui ou non. Vous voyez, donc ça s'appelle déjà une responsabilité. Oui. Ça veut dire qu'il prend la responsabilité de faire plaisir à ses parents, ou il prend la responsabilité de leur faire de la peine. Il prend la responsabilité d'avoir des problèmes ou il prend la responsabilité de ne pas en avoir. Vous voyez, ça c'est déjà une forme de responsabilité. Donc cette éducation doit se faire à la paix, au bonheur, doit se faire effectivement avec les jeunes, tout comme avec les moins jeunes. Et avant, nous allons prendre la pause, mais il serait aussi intéressant de savoir, vous avez donc voyagé, vous avez côtoyé différentes sociétés. De manière générale, les sociétés qui offrent un terreau un peu plus approprié à la paix, au bonheur, est-ce qu'elles cultivent certaines valeurs? Et quelles seraient-elles, ces valeurs-là? Effectivement, j'ai travaillé au Maghreb, j'ai œuvré pour la paix en ex-Yougoslavie, je travaille depuis de nombreuses années en Europe, en Afrique, depuis plusieurs années aussi, je mets les programmes en place comme en Haïti, en Afrique. Et finalement, vous pouvez constater, je peux vous le dire, que l'être humain est partout le même. Il n'y a absolument aucune différence. Ce qui veut dire quand on se cache toujours derrière, oui, mais je suis comme ça, c'est la culture. Je suis comme ça à cause de l'éducation, à cause de mes parents, à cause de mon gouvernement, à cause du fait que je vive comme ça dans la misère. Non, ce n'est pas vrai. Le fonctionnement de l'être humain dépend essentiellement, d'ailleurs, est toujours le même partout, puisqu'on est tous configurés de la même manière. L'être humain est venu sur Terre, on n'est pas tous... c'est vrai qu'on a peut-être une couleur de peau différente, mais quant au fonctionnement intérieur de l'être humain, nous avons tous le même. Donc, notre fonctionnement intérieur, nous devons le maîtriser, nous devons apprendre à l'éduquer. Notre travail, c'est d'éduquer notre subconscient. Et là où le changement va s'opérer réellement, ce n'est pas ce que la société va me donner, c'est ce que moi, je vais prendre à travers mon intelligence, mon intuition, de ce que je sais qui est juste et de ce que j'apprends de mes expériences émotionnel par rapport à la vie, de ce que j'apprends en décidant de m'aimer, etc. Donc c'est intéressant que vous nous dites finalement, oui, la société, mais il y a un énorme travail également personnel, interne, d'intelligence, de discernement qui doit être fait. Et d'amour. Et d'amour. Eh bien, amis téléspectateurs, après cette pause, dans un second temps, justement, nous allons poursuivre avec Madame Libertino et elle va être rejointe par la psychologue haïtienne Roselyne Benjamin, qui elle aussi travaille depuis longtemps, des années, avec nous en Haïti. Comment, selon elle, eh bien, justement, ce progrès, ce bonheur que nous désirons tous pour notre pays, comment peut-il être envisagé? Restez branchés, on se retrouve après la pause. Mmh.
amis téléspectateurs, de retour donc après la pause avec notre émission Harmonie qui reçoit aujourd'hui Martine Libertino, écrivain, philosophe. Martine Libertino vient depuis quelque temps chez nous en Haïti et justement nous allons poursuivre cette émission avec elle mais aussi avec la psychologue haïtienne Roselyne Benjamin qui, je suppose, vous devez la connaître, travaille depuis des décennies chez nous aussi. Mais aujourd'hui, nous la recevons comme la vice-présidente de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti de Rechef, Madame Libertino. Et bonjour et bienvenue, Madame Benjamin. Bonjour, merci. Tout à fait. Donc, comme nous l'avons dit à maintes reprises, Madame Libertino n'est pas à sa première visite en Haïti, elle parcourt plusieurs pays du monde et elle est venue aussi chez nous depuis quelque temps. Madame Benjamin, parlez-nous un peu de cette rencontre avec Madame Libertino, de cette opportunité justement. Oui, cette belle rencontre avec Martine Libertino, au fait... Je confirme. Au fait, c'était en 2011, après le tremblement de terre. J'étais à ce moment-là la directrice du Centre de psychotrauma d'Haïti. Et je gérais à ce moment-là un groupe d'une vingtaine de psychologues. Et la responsable, celle qui s'occupait de l'administration, m'a appelé un jour pour me dire, voilà, il y a une Madame Libertino et qui offre des séminaires. Et je vais te demander de choisir un des psychologues pour bénéficier de sa formation. Et quand j'ai lu la description de cette formation, je lui ai dit, la psychologue en question, c'est moi. Je ne vais pas rater cette occasion parce que, au fait, tous les thèmes, justement, que tu as mentionnés, la paix, puis il y avait sur la paix, etc., mais avait surtout, quand j'avais vu la description, où elle avait parlé des 9 personnalités qu'elle avait développées. Donc, je pense que c'est ça qui m'a particulièrement attirée. Mm-hmm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été à une première formation en décembre 2011. Et depuis lors, je n'ai jamais raté une formation de Martine qui vient en Haïti 3 fois par an, régulièrement depuis 2011. Depuis 2011. Et on a compris justement qu'à la suite de ces rencontres, il a été créé chez nous cette communauté des médiateurs pour la paix. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette communauté? Quand on parle de communauté, des fois les gens se disent qu'est-ce que c'est, ce rassemblement, pourquoi, etc. Quel est le but de cette communauté et quels sont les champs d'action? Au fait, cette communauté, c'est un groupe de... Et je pourrais dire de professionnels ou je pourrais dire aussi des gens qui ont le même idéal que Martine de vouloir établir cette paix et en Haïti. Donc nous sommes d'horizons divers, hein. Il y a des psychologues, des hommes d'affaires, des techniciens agriculture. Vraiment, nous sommes tout un groupe. Des éducateurs, des hommes d'église, des policiers, des commissaires. Donc, vraiment, un juge. c'est vrai. OK. Alors, nous nous sommes réunis en 2015 pour former cette communauté. Je dois dire que la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti, c'est une des communautés pour la paix qui a à travers le monde, en Suisse, en République démocratique du Congo. Et notre mission, justement, c'est d'abord nous sommes des élèves de Martine, nous apprenons sa philosophie, que nous voulons justement et contribuer à répandre. Et à travers le monde, mais pour nous, notre coin de terre, c'est Haïti. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est un groupe, nous sommes 12 à 15 personnes et nous rencontrons Martine sur une base régulière, 3 fois par an, et elle nous enseigne. Elle nous a enseigné sa philosophie, ensuite elle a fait avec nous la formation continue, et maintenant elle nous enseigne à enseigner sa philosophie. Très bien. Les médiateurs pour la paix et chez nous, d'accord, lorsqu'on regarde notre société, on se dit, on regarde le monde, mais on parle de chez nous aussi, hein, surtout, on se dit, il y a du travail à faire. Ouais. Et c'est Roselyne vrai. Et Martine, ce travail chez nous, il devrait, et il commence avec vous, comment? Il commence comment et où? OK.
Alors, je dois dire que ce que nous avons aussi appris avec Martine, c'est la patience. Okay. Et aussi de ne pas sous-estimer le moindre pas que nous faisons à l'avant. C'est un travail de fourmi. C'est un travail de longue haleine. De longue haleine. De paix, de bonheur, quel que soit le coin du monde. Ça prend du temps. Ce n'est pas seulement enseigner, bien sûr, l'enseignement a une importance fondamentale puisque c'est la fondation de la maison que nous voulons construire. Découle justement de cet enseignement une manière de procéder, c'est-à-dire de permettre aux Haïtiens de devenir autonomes spirituellement, de devenir autonomes matériellement, financièrement, et que les gens apprennent à prendre leur vie en main et vraiment à se débrouiller avec ce qu'ils ont, être créatifs, trouver des moyens pour gagner leur vie. C'est ça surtout qui est important, le but à atteindre, c'est ça. Notre travail de la communauté, c'est d'être formé à former la population pour que la population puisse bénéficier de toute cette philosophie elle-même, qu'elle adhère à cette philosophie, qu'elle soit vraiment partie prenante. Et la population, ce sont nos partenaires, ce ne sont pas des gens que nous aidons. Et nous avons autant besoin d'elles qu'elles de nous, c'est réciproque. Quelle est la nuance? Ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires parce que nous avons, moi j'ai beau avoir des connaissances, sans ma communauté de médiateurs, je ne peux rien faire. Et la communauté de médiateurs, sans la population, ne peut rien faire. Nous sommes tous codépendants, d'une certaine manière, dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour ça que ça marche, parce qu'il y a réellement du respect, il y a réellement de l'amour que nous partageons avec la population, parce qu'elle le sait, elle le voit, que nous avons besoin d'elle, dans ce sens que si je veux par exemple créer un groupe de communauté citoyenne pour faire de l'agriculture et pour pouvoir s'en sortir dans un village, si la population ne fait pas preuve de rigueur, si elle ne travaille pas avec nous, si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire alors que nous faisons notre travail pour lui apprendre ce qu'on doit lui apprendre, si elle ne participe pas, nous ne pouvons rien. Donc, nous avons vraiment besoin d'elle. Tout à fait. Et on revient peut-être à la question que j'ai posée tout à l'heure. Justement, ce travail, il commence où? Il commence dans la tête, il commence dans les faits. Chez nous, en Haïti, où doit-il commencer? Bon, comme disait Martine, la première chose, c'est quand même que les gens apprennent cette philosophie, la comprennent et l'intègrent personnellement dans leur vie. Et dans le cœur et dans la tête. Et dans les actes. Cette philosophie, c'est croire à l'amour, croire à l'être. C'est apprendre à aimer. C'est apprendre. Pas seulement. Ça ne suffit pas de ça croire. Pas. C'est apprendre. À aimer les autres et à aimer la vie, qui est le fondement de la philosophie de Martine. Donc concrètement, nous avons des programmes que nous mettons sur place avec et Martine. D'abord, je ne dis pas dans l'ordre, mais je vais vous les énumérer rapidement. Nous avons le Sainte Martine Libertino pour l'encouragement de la sagesse et de la paix dans le monde, où nous offrons deux types de programmes. D'abord, des séminaires de développement personnel destinés aux adultes et sur le fonctionnement de l'homme et ce que je suis. Et à travers, dans ces séminaires-là, nous enseignons justement le fonctionnement de l'être humain, les neuf personnalités, les valeurs fondamentales. Et cette formation de base est suivie de formation continue. Nous avons aussi l'école philosophique pour les enfants, et c'est Mélodie que tu connais qui est responsable. Notre fille psychologue qui a également participé à notre émission. Voilà, voilà. Et donc elle travaille avec les enfants dès l'âge de 6 ans. Très bien. Et nous avons aussi mis sur pied des programmes dans les écoles et où nous intervenons auprès d'abord des professeurs, des enseignants. Nous accompagnons les élèves et aussi nous sensibilisons les parents parce que on n'a pas le temps de les former, mais au moins nous les sensibilisons parce que la base, le fondement important, c'est que si les parents ne sont pas au courant, n'adoptent pas aussi cette philosophie, les enfants peuvent souffrir plus qu'autre chose. Tout à fait. Donc, on en revient donc à cette philosophie dans notre contexte à nous, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer la vie et aussi apprendre à aimer son espace. Dans ce contexte-là, apprendre absolument à aimer Haïti. Et lorsqu'on observe, malheureusement, on va dire que les premiers mots, en général,
ne sont pas forcément des mots d'amour par rapport à Haïti. Hein. C'est côté me veut quitter, c'est l'endroit que je veux quitter, c'est côté cap bon problème, c'est côté cap bon stress, c'est côté pas offrir une opportunité. Malheureusement, hein, c'est un peu ce qu'on dit, ce que disent les jeunes, ils s'en vont, ils vont au Chili, entre autres. Pour souffrir ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous dites rapport à vos réflexions, par rapport à votre philosophie? Alors, tu vois, je voudrais que Martine, je vais vous dire pourquoi. Oui. Martine est choquée, je pourrais dire, par ce qu'elle entend souvent le dire d'Haïti, qu'Haïti est un pays maudit. Donc, oui, quand elle a parlé d'amour, de soi, d'amour, de la vie, je me suis dit, en Haïti, malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui ressort toujours dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Parce que ce n'est pas forcément cette relation que nous avons avec notre pays, malheureusement. Absolument. Ben, ce que je dis, c'est que en réalité, le fait de fuir ne va pas régler le problème d'un jeune, parce qu'il va partir. Pourquoi il va partir? Parce qu'on s'imagine toujours qu'ailleurs c'est mieux que chez nous aussi. Ouais. On ne voit que les avantages de ce que la télévision nous offre, nous montre, etc. Mais à partir du moment où je suis déracinée, que je pars de chez moi, il va falloir que je sois fort, que je sois solide, que je sois équilibrée émotionnellement parlant. Donc, si je pars avec mes séquelles émotionnelles de Haïti et que j'arrive dans un autre pays avec mon rejet de moi, avec mon problème de communication, avec mon sentiment d'infériorité parce que j'ai l'impression que je suis une race inférieure ou Dieu sait quoi, je vais me retrouver exactement avec les mêmes difficultés et je vais tomber en face de personnes qui sont incapables de découvrir chez les autres ce qu'il y a de mieux et finalement je vais vivre dans une société où je vais subir le racisme et où je vais être tellement malheureux que je ne pourrai pas donc trouver la paix et le bonheur et la réalisation matérielle dont je rêvais. Oui. Alors la question est celle-ci, est-ce qu'il vaut mieux quitter son pays pour aller souffrir ailleurs ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans son pays, chercher pourquoi je souffre et accepter des solutions qui existent, parce que pour moi, il n'existe aucun problème sans solution. Seulement, il faut les chercher, les solutions. Il faut même aller beaucoup plus loin que ça. C'est qu'à partir du moment où je suis sûre que les solutions existent, elles viennent à moi sans que je les cherche. Alors, c'est aller beaucoup plus loin, effectivement. Mais je peux vous dire que c'est une vérité qui est incontournable. Et c'est une vérité que je vois partout où j'enseigne. Dès que les gens acceptent cette philosophie, d'ailleurs, toutes les personnes me disent, ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie. Donc, il y a ce travail à faire. Il y a ce travail à faire pour être sûr que les solutions sont possibles, même ici, même à l'endroit où on pense que c'était possible. Et d'où l'importance de cette éducation. Parce que ce que nous faisons, ce que nous aidons et les gens à faire, c'est d'abord d'apprendre à se connaître, de ce que je suis, et prendre la responsabilité de leur vie. Ils ont le pouvoir, ils ont le libre arbitre, quelle que soit la situation, de faire des choix différents. Et on leur enseigne surtout comment faire, et aussi justement d'arrêter de blâmer. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces difficultés. Il faut leur dire qu'à travers ces difficultés, ils doivent construire une vie meilleure qu'ils méritent. C'est ça surtout. C'est qu'à partir du moment où je sais, je veux quelque chose, parce que j'ai décidé de le mériter. J'ai décidé de le mériter. À partir de ce moment-là, on va trouver ça extraordinaire. C'est que ce dont je rêvais avant, que je trouvais impossible, vient à moi sans forcément que je travaille pour l'avoir. Simplement parce que, comme j'ai un libre arbitre et j'ai un pouvoir, tout ce que je redoute, je l'attire, et tout ce que je veux, je vais l'attirer. Malgré tout ce qu'on peut s'imaginer de moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve. Je suis quelqu'un qui réalise un idéal qui est indispensable pour le monde. On est heureux aussi de vous avoir et de que vous partagiez cet idéal avec nous. On en a bien besoin. Entre autres idéal, l'amour de soi, l'amour de l'espace où nous sommes, l'amour du monde, l'amour du progrès. Et une place importante donc dans cette philosophie. Et on a pensé à poser aux passants d'Haïti, quelle place l'amour occupe-t-il au sein des familles et est-ce que selon eux, il y a une répercussion sur la société haïtienne? Eh bien, amis téléspectateurs, suivez ce micro-trottoir, l'amour dans les familles, comment est-il enseigné, est-ce qu'il existe et est-ce qu'il y a une répercussion dans notre société
qu'est-ce que vous nous avez répondu? Suivez. Pour moi, l'amour c'est un bail qui est important. Parce que, on a qui bague l'amour, on pense que ça va marcher bien. Si c'est pour dormir dans le caille, côté maman, avec papa, yo, Antonio, avec Timon, yo, on pense que c'est la meilleure façon en famille, c'est vivre ensemble. Bon, depuis l'amour, c'est le sentiment qui permet que nous-mêmes nous sommes capables de vivre avec l'autre. Donc depuis l'amour, donc nous-mêmes nous sommes capables de supporter. Dans la faiblesse ou même tout capable de supporter la faiblesse. Moi. Bon, pour moi, même l'amour occupe la première place dans la famille haïtienne et dans toutes les sociétés en général. Ça porte un pile succès, ça porte santé. Les gens l'amour dans la famille, gain santé, gain joie, gain récréation, ça veut dire la vie. L'amour, c'est lui-même qui a de moteur et toute société. Pour ne pas dire toute chaque famille, c'est l'amour qui a de moteur la société. Vivre ensemble, c'est un bail qui est facile. Mais nous avons fait, parce que c'est une obligation. Parce que tout pays qui marche bien, c'est parce qu'il y a l'amour. Il y a des belles bagailles, parce qu'il y a des choses. Si nous avons cultivé l'amour, surtout dans toute foyer, dans la société, nous avons un pile de bagailles qui a privé dans le pays, nous avons bien. C'est l'absence de l'amour qui fait grand pile mortalité, grand pile maladie, et grand pile et désunion, grand pile divorce. Si tu as un vrai amour sincère, tu n'as pas tout défait ça. Si je suis frustré, soit pour les belles machines, si je suis frustré pour la femme, si je suis frustré de gens à vivre, pas de l'amour, raïm, pas de torture, même gentil, non, regardez pour eux, dès le temps juvénile. La façon si je suis sorti à la campagne, que Maurice Sisto baille ça comme modèle. Donc, si mon nom va faire passer misère, va battre, ou jouer mes petits ou pas remis, ou pas voir l'école. Donc, ou après, un problème d'éducation, ou remis pour l'envoyer à l'université là-bas, c'est-à-dire que l'autre n'a pas l'école ou pas remis. Donc, sous tes remis, parce que tu as voué l'école, pendant tous les étapes, même sous même échelle, tu as construit tes choses parce que tu as un problème dès l'école juvénile, tu as résolu dans le pays. Bah, tout côté, il y a un monde où il y a un pile de bois. Un pile de bois, où il y a un monde à vivre. Mais quand tu n'as pas l'amour, c'est comme si c'est saleté pour moi. Nous avons conseillé haïtien, peuple haïtien, nous faisons un pile d'expérience dans la division, dans la haine, dans la zigzanie, sur tous les points qu'on a à nous essayer avec l'amour, à nous suivre et modèle Christ là. Et forcer pour aimer, même le aimer en pas vini. Faites tout yon devoir. De pour aimer semblable ou pas vle malheur pour lui. Et qu'on ça la vive bien en confiance bon côté et ou même tout absent ou à l'aise. Nous faisons appel avec à la sensibilisation, à l'amour et de capacité. Pour nous pratiquer plus l'amour vraiment. Donc si nous avons un petit moyen, l'autre la petit moyen, nous ne pouvons pas qu'à manger qu'à bout de la calée. Mais les gens qui travaillent ensemble avec la capole qui mangent mourir. Pour le monde favorisé dans la société, il faut que nous soyons formés, il faut qu'il y ait une formation qui fait dans le pays. C'est nous-mêmes, moi-même, nous-mêmes, qui parlons avec nous. Nous comprenons, nous comprenons. Laissez-nous dans mon pays. Laissez-nous penser que nous vivons ensemble. C'est remé pour chou. Soit remé pour toi, et faut faire pour l'autre pour nous. Si vous avez un bagage qui ne fait pas bien, il ne fait pas obligé de faire l'autre pour nous. Tout. Si vous remé tout pour nous, pour faire l'injustice sociale. C'est normal qu'il faut gagner un désaccord. Donc, pour ne pas gagner une guerre, vous êtes obligé d'accommoder. Donc, automatiquement, vous remettez tout, vous remettez l'autre pour bien la paix. Eh bien, amis téléspectateurs, on a compris, les opinions divergent. Est-ce que vous seriez de cet avis? Est-ce que l'individu lui-même a une responsabilité et par rapport à qui il est et comment il est? Est-ce qu'il y a effectivement des répercussions dans la société? Allons même plus loin. La somme de pensée de chaque individu a-t-elle une répercussion, un lien sur la société et son fonctionnement de manière générale? Alors allons encore plus loin. C'est que chaque individu fait la société.
C'est que ça n'a même pas une répercussion. Oui. C'est que nous sommes la société. Mm-hmm. Nous sommes une particule, chaque être humain est une particule qui compose la société, ce qui veut dire que la société sans lui n'est rien. Mm-hmm. Et en fait, ce que nous appelons convention de société, ce que nous appelons éducation, n'est que la somme, je dirais, d'une majorité de personnes qui se développent d'une certaine manière et qui, de ce fait, vont avoir une importance dans la création de la société. Le travail que nous devons faire, nous, individus, à l'intérieur d'un pays, c'est pour une majorité à découvrir les qualités qui peuvent aider notre pays et à remodeler notre subconscient, qui ne sont que des interprétations de nos qualités et qui deviennent des émotions parce que nous ne comprenons pas comment tout ça marche, voyez. Et ce sont ces émotions, ces problèmes émotionnels qui deviennent dans notre pays des freins pour que les gens puissent être heureux, pour que notre gouvernement soit adéquat, pour que les institutions se portent bien, etc. Donc c'est intéressant que finalement vous nous dites et vous affirmez qu'on peut remodeler, que chaque individu a sa part de responsabilité, oui. Et que cette construction est possible. Mais c'est notre travail. Voilà, c'est notre travail. Une évidence, c'est le but. Forcément, on n'y croit pas nous tous, hein, mais alors, c'est intéressant de voir que vous l'affirmez. Oui, alors essayons peut-être, pour que ce soit mieux compris, que ce soit plus simple, de voir le fonctionnement d'une entreprise. Mm-hmm. Lorsque nous créons une entreprise, dans cette entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a des cadres, il y a il y a des individus, chacun à leur poste. Mm-hmm. Et nous allons constater, au bout de quelques années, que le fonctionnement de l'entreprise va dépendre de la capacité de gérer de la personne qui est au-dessus de l'entreprise, de la rigueur de ses collaborateurs, de la manière de communiquer des gens dans l'entreprise, parce qu'on peut communiquer en se faisant du mal, en se faisant du bien, en étant heureux d'être ensemble, en ayant des malentendus toute la journée. On va voir que cette entreprise, finalement, va fonctionner grâce à ses qualités, mais va avoir des freins à cause des problèmes émotionnels des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Voilà. Si ces personnes prennent conscience, et en particulier la direction, prennent conscience que le bien-être de chaque collaborateur, de chaque personne, y compris le patron, doit être respecté, parce que c'est cela qui va donner de la nourriture à l'entreprise et qui va la faire vivre et non pas survivre. À partir de ce moment-là, l'entreprise sera florissante. Par contre, si on laisse aller toutes les difficultés, les a priori, les problèmes de communication, les rejets des uns et des autres, le sacrifice de l'un, le manque de rigueur de l'autre, une mauvaise gestion, à partir de ce moment-là, après quelques années, soit on perd les bons collaborateurs, soit on perd de l'argent et l'entreprise ne va pas bien. Voilà. Ouais. Et bien, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, l'histoire de Haïti, c'est exactement ça. Très bien. Madame Benjamin, vous voulez ajouter ce que je peux témoigner, parce que Martine partage des idées très profondes, mais nous les vivons chaque jour. Et ce que j'aime dire de sa philosophie, c'est que c'est pas une philosophie en l'air, tu vois, c'est une philosophie extrêmement pratique où elle enseigne des techniques. Et ce qu'elle dit d'une organisation, nous l'avons observé aussi, par exemple, dans une communauté comme Corail, parce que nous mettons aussi en place des programmes dans les zones fragilisées, dans les zones vulnérables. Et Corail, c'est une région qu'on appelle plus communément Canaan. Vous savez, en Haïti, on connaît plus ce nom de Canaan, où il y a toute une population qui vit vraiment dans des conditions infrahumaines, vraiment et tout à fait inacceptables. Avec Martine, nous travaillons d'abord sur une transformation personnelle des habitants. Et c'est presque palpable de voir les changements. Ça fait un an que nous y allons. À Corail, d'abord, ça a été un travail avec la population où Martine leur a expliqué notre approche, qu'elle n'était pas là, elle n'est pas venue pour donner de l'argent. C'est la première chose que je dis, je n'ai pas d'argent.
c'est ça. Et c'est une toute autre manière pour et eux. Et la population continue à venir. Ah, mais tout de suite. Tout de suite, partout où je vais, je suis accueillie avec amour, partout. Okay. Voilà. Ouais. Mais parce que c'est un échange aussi. Et bien voilà, amis téléspectateurs, quelques minutes d'émission ne suffiraient jamais à comprendre justement sur toute cette philosophie. On va prendre une dernière pause à notre émission et on espère que vous resterez jusqu'à la fin avec nous parce qu'il est question justement de transformation. On va peut-être terminer en demandant à nos invités les grandes clés de cette transformation pour le bien. C'est quoi? Restez donc branchés pour cette dernière intervention. À tout à l'heure. Eh bien, amis téléspectateurs, encore une fois, merci de rester jusqu'au bout avec nous à cette émission où nous recevons l'écrivain, philosophe Martine Libertino et la psychologue haïtienne Roselyne Benjamin. Il est donc question de paix, de bonheur, de transformation, justement pour le progrès, de transformation. On a compris, tout commence finalement en soi. C'est la dernière question, hein, vous avez dit, vous avez constaté avec les communautés haïtiennes avec lesquelles vous travaillez que cette transformation est possible, elle se fait. Nos téléspectateurs certainement ont envie de comprendre quelles sont les clés de cette transformation déjà pour essayer soi-même d'apporter ce changement. Alors ce que j'aurais aimé préciser, c'est que quand on parle de population, il s'agit de tout le monde, quel que soit le public. Que bon, moi, mon expérience personnelle en enseignant cette philosophie, en aidant en accompagnant les gens, c'est de voir comment la rapidité avec laquelle ils prennent conscience d'eux-mêmes et opèrent des changements dans leur vie et développent un sentiment justement de paix et de joie, je pourrais dire. Donc c'est une attitude, c'est un état d'esprit à avoir, parce que vous savez, quel que soit ce que qui nous est offert, c'est, nous avons le libre arbitre. Ça m'est arrivé aussi, pas très souvent, que je pense même à quelqu'un qui a un de mes séminaires, à la pause il est parti, il s'est sauvé parce que il a fui. Donc ça veut dire que je lui ai... des fois on découvre des choses qu'on ne voudrait pas. Voilà, je lui ai donné la clé, mais la clé était tellement trop claire pour lui, comme on dit, il a pris la poutre des scampettes. Donc et certainement que c'est la première clé, mais la clé c'est pas la philosophie qui la donne, c'est une clé que nous avons, que nous pouvons utiliser si nous voulons. Mais je vais laisser Martine vraiment expliquer vraiment plus. Mais votre expérience personnelle aussi, que psychologue, vous avez identifié pour vous, et pas à partir de votre expérience, ce que serait cette clé-là. Martine? Ben finalement, encore une fois, je vais me répéter, la première clé, c'est l'amour, mais pas seulement l'amour enseigné, c'est l'exemple de l'amour que je donne, parce que aller vers les gens pour leur dire quoi faire et pour leur donner des clés, il faut aussi avoir l'humilité nécessaire, il faut avoir l'amour nécessaire pour donner cette clé, parce que cette clé ne m'appartient pas et cette clé n'a pas à être imposée aux autres. Vous voyez, c'est juste une observation et une possibilité de prendre, ça c'est déjà important. Une deuxième clé est l'intelligence que je perçois chez tous les êtres humains, chez les personnes qui viennent vers nous et vers lesquelles nous allons. C'est que j'ai une confiance totale en l'intelligence d'une personne, parce que il ne faut pas comparer le développement intellectuel, la scolarisation et l'intelligence. Et les gens sont je découvre dans toutes les cultures et dans toutes les populations les plus défavorisées au monde une capacité d'intelligence, une capacité de compréhension, une capacité d'amour extraordinaire que l'on n'exploite pas assez. Et une troisième chose, c'est qu'en fait ce que je donne, au fond, la personne qui est en face de moi, elle le sait. Voilà.
Je n'apprends rien aux gens. Hein. Je ne fais que leur révéler ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, qui d'ailleurs quelquefois leur fait peur, c'est clair. C'est clair. Voilà, bon. Mais je ne suis qu'un révélateur qui permet à une personne de se dire, mais au fond c'est vrai, mon problème, ma souffrance, ce n'est que ça. Donc ça veut dire que la clé, c'est aussi montrer aux gens, révéler aux gens ce qu'ils savent déjà. C'est la franchise aussi, c'est être capable de dire aux personnes qui sont en face de nous, voilà ce que je vois au fond de toi, voilà ce que je vois qui n'est pas juste chez toi, voilà l'orgueil qui fait que tu n'agis pas, et en même temps le respect d'une personne qui voudrait peut-être ne pas prendre, hein, parce que c'est son choix, mais en même temps il faut protéger ceux qui veulent prendre de ceux qui ne veulent pas, parce que notre destin c'est d'aller de l'avant, c'est d'être heureux, et c'est pas d'accepter que les autres nous fassent souffrir non plus. Très beau destin. Merci. Je suis d'accord. Merci beaucoup Martine Libertino, merci beaucoup Rosine Benjamin d'avoir accepté de participer à notre émission aujourd'hui. Amis téléspectateurs, je vous l'avais promis, c'est une émission qui nous apprendra beaucoup sur nous justement et sur cette transformation nécessaire à la fois interne pour cette répercussion sur notre société que nous voulons tous. Nous avons introduit depuis la semaine dernière une nouvelle rubrique à notre émission intitulée « POSA, la positive attitude » justement qui va dans la droite lignée de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui à cette émission. Aujourd'hui, nous allons avoir le témoignage d'une dame qui justement, grâce à sa positive attitude, a pu faire face, a pu dépasser un événement vraiment malheureux de sa vie. C'est une dame qui souffre de diabète et qui s'est vue amputée d'un membre. Comment a-t-elle pu dépasser cet état de choses? Sa positive attitude l'a beaucoup aidée. Écoutons-la. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. C'est maladie sucre qui cause que je perds 10 pieds moins. Maladie, ça a moins fait longtemps, j'ai 19 ans avec. Et vendredi, qui était 30 décembre 2016, pendant que moi j'étais dans la boutique, moins, il était vers midi pour aller dans l'iné. Et puis, moi senti moins pas bien. Pendant que je senti pas bien, et puis moi aller pas de boutique là, moi déplacé mal dans chambre moi. Pendant dans chambre moi me coucher, moi senti m'a décomposé, me senti pas bien. Et puis après ça, mon papa son bonne nuit. Et puis dans dimanche matin, qui était 1er janvier, moi des petite fille moi qui c'est docteur Bilencock, lui dit mamie, moi wa malade, m'a mené au caï docteur. Moi passé 3 jours dans l'hôpital là. Mais moi pas trop m'étais malade dans pied du tout. C'est pendant l'hôpital là, les moi a gardé en bas pied, moi rezoté moins et a baillon petit glo. Après ça, yo dit, yo t'étais dans difficile pour encore ça que depuis nous opérer maman a mourir. Vin joindre te gagné un sœur que les Esther, oui, c'est Esther qui fait même maladie, hein. Il était dans même, il était même côté avec moi. C'est amour. Ça te fait me prier de ce que me dit c'est Esther mon. Mais moi-même moi pas de peur du tout. Et puis moi j'ai une petite fille moi qui c'est sœur Bilouz, on t'a parlé avec me dit sœur Bilouz, pas bien rien même le m'entrer dans salle opération. Bon Dieu pas jamais quitter bon. Et puis pendant me coucher docteur il dit ah bon. Il y a une chance pour le pas perdre pied. Après 3 jours docteur il dit m'a perdu pied. Moi-même, les mêmes dix pieds, côté me coucher sur cabane là, bon Dieu connaît. Moi, j'ai toujours connu, même si pied me coupait, bon Dieu après mes pieds pour moi. Moi, j'ai senti m'en bien parce que moi, j'ai vu tout le monde m'a encadré moi, tout le monde est toujours là pour moi, tout le monde présent pour moi, c'est moi présent pour moi. Alors si pour me d'avoir un problème, c'est dans ma rime pour me d'avoir un problème là.
Parce que puisque lui montre que comment elle même, moi dis bon Dieu, l'amour ça pas sorti dans ma rime seulement. C'est ou même qui ba ma rime, yon ke bien disposé pour supporter nous comme ça. Moi même pas jamais les moun kembe même. Moi pas get tout bagaille me toujours essayer faire pour compte moi. Et puis même les yon moun vin wèm, moi wèm moun n'a crié, me dit pas faire baï comme ça. Et pendant que moi gen potez là, yon jour me chita dans boutique là, on konn marcher avec un bâton. Levé mal marché m'pa kembe bâton moi sorti devant car moi mal juste dans la rue hein. Et puis après ça me retourner bon moi même moi pas tellement rit coucher moi t'es toujours saute dans chambre moi al chita sous galerie en l'air et puis les m'a regarder mon cap passer moi m'te doué al dans boutique là moi besoin reprendre activité Marie me dit chérie ou pas qu'on ca descendre dans boutique. Je dis chérie, quittez malé non. Quittez me descendre dans boutique moi m'a senti bien. Pendant que me vienne malade là, moi vienne reprendre boutique là, activité a pris bien marché pour moi. Moi vienne faire tout à fait bien malgré malade, des fois l'on monde vienne acheter. Moi lever mal vendre mon là, des le monde tout là vienne acheter, me fait mon là vendre tête lui sauf que me touche. Conseil moi gagne pour tout le monde qui est malade, puis quel que soit maladie ou gagne, puis quoi quitter maladie à dominer, c'est pour remettre maladie à bail bon Dieu. Et puis faut mon aider tête li tout. Faut mon aider tête li, faut pas lagué que c'était monde qui pour faire toute bagaille pour lui, faut mon faire effort parce que l'homme malade sous lagué ko bay maladie a, maladie a fait impact sur. Mais sous fait effort ou fait effort pour contre et puis bon Dieu a aidé.